La jeune chef Fanny Maillet, marraine des deuxièmes années de CAP en hôtellerie-restauration au CFA de Carcassonne, est venue coacher vendredi dernier les apprentis le temps d'une journée pour un service particulier. Et cette ancienne apprentie du CFA est ravie de faire partager son expérience. Bah, déjà, je m'appuie sur moi, sur mon expérience personnelle et professionnelle. L'expérience personnelle que j'ai eue ici et mon expérience professionnelle actuelle. Et puis, j'essaie de les guider un petit peu, autant que faire se peut, vers quelque chose de plus précis. Et pour les apprentis aussi, c'est une vraie chance de pouvoir échanger avec une chef de cuisine dont le parcours les fait rêver. Elle nous montre des trucs qu'on n'a jamais vus. Et elle nous explique comment évoluer plus tard. Parce que franchement, on voit qu'elle a tout vécu. Elle a été ici, maintenant elle est à Paris, dans de grands restaurants. Et franchement, ses conseils sont bons à écouter. De l'entrée au dessert, tout le menu a été réalisé par les élèves. Vous avez une mise en bouche qui se compose d'un consommé de bœuf avec des petits choux farcis au foie gras qui vont fondre délicatement dans le consommé. Ensuite, vous aurez des timbales de poisson. Ensuite, c'est de la longe de veau et en dessert, une jalousie aux poires, mais revisitée par les élèves. Tout s'est parfaitement déroulé, pas d'accro en cuisine comme en salle. Une journée de coaching en forme de dernier test pour les apprentis avant de passer leur examen de CAP en juin prochain.